Un peu d'échauffement pour commencer. On va rouler avec un vélo de route. Ils mettent le compteur à zéro pour le moment.
Vous avez remarqué, il roule sur la piste, sur la piste bleue, la Côte d'Azur, comme on appelle, avec un vélo de route normal. Je pense que c'est pour ça qu'il ne roule pas sur la piste oblique à cause de la hauteur de pédalier. Je suis bien sûr que c'est pour ça seulement. En principe, donc, il ne peut pas toucher au frein, il ne peut pas changer de vitesse en cours de route. Il reste 39 minutes environ. Et le but, c'est de passer 28, c'est ça qu'on m'a dit, hein? 28. Il reste presque 36 minutes. Et là qu'on voit qu'on est dans un vélodrome international, hein. Là on parle plus français. Après ce qu'on m'a dit, m'ont dit les gens de la télévision belge flamande, le record est détenu par un Hollandais avec la moyenne de 25 km/h. Avec 25 km dans l'heure, si on peut. Et lui, il veut tenter 27 km/h. À mon avis, actuellement, vu le nombre de tours qu'il vient de faire, d'après ce toujours l'indicateur de la Belgique, il serait à 27,5 de moyenne pour 110 tours. Le nombre de tours est pris sur la petite ligne blanche qu'ils ont rajoutée. Et c'est le monsieur assis sur la chaise qui gère le nombre de tours. Il gère, il y a un petit calculateur, je ne sais pas. Mais donc c'est lui qui a transmis à la télévision belge le nombre de tours et qui serait donc à la moyenne d'environ 27,5 km/h. À mon avis, depuis tout à l'heure, il a l'air d'accélérer.
D'après ce que disait la personne de la télévision belge, il y a un record du monde, sur piste bien sûr, pour les gens de 80 ans. Donc lui, bon, il a déjà fait, je pense, et puis il veut l'améliorer, il veut surtout battre le record de Hollandais. Mais il ne sera pas homologué, parce que pour être homologué au niveau mondial, il faut faire appel à tout ce qui est la batterie de commissaires, de médecins pour les contrôles antidopage, et j'en ai certaines, et les kinés et tout le bazar, quoi. Donc ça reviendrait à 4000 euros d'après la télévision belge, au minimum. Ça peut aller jusqu'à 30 000 s'il faut faire l'achat de vélo. Donc, il reste environ 18 minutes. Aurait-il une petite fatigue? Je le vois avec les mains au-dessus du guidon, en haut du guidon plutôt. Ou des crampes, je ne sais pas. Ouais, on dirait que ça va finir mieux, ouais. J'ai eu un doute à un moment, hein. Il reste 9 minutes 30 à peu près. Et c'est bizarre qu'il prend pas. Qu'il met pas les mains dans le. Bon, c'est l'habitude comme ça, peut-être. Mais... il prend de l'air, hein. Dans quelques minutes, ça va sortir la bière. Ouais. 7 minutes environ. Oh, ça va, il tient le rythme. Télévision belge.
4 minutes environ. Caméraman belge. Courtrai, Gand, Menin, par là, quelque chose comme ça. Une minute 55.
Désolé, je peux pas traduire. Ça a l'air d'être bon, mais... Bah, ça doit être gagné, hein. Non, je voulais faire 27, mais je sais pas. Tu as déjà une coupe, alors c'est bon. Des fleurs, ça doit être bon. ?27 850. Oui. Je vous remercie beaucoup. Hein. Voilà. Merci. Hein. Journaliste, télévision belge, flamande. Belga flamande. Ouais. Ok, ben c'est bien.